Joie parashat et mort, le Yom Rishon. Vadaber Hashem el Moshe ber Sinai les morts. Daber ben Israël matalehem, qui t'avoue à la Haaretz vegomer. C'est écrit que Hashem dit à Moshe, dit à Bnei Israël, quand vous viendrez à la terre, dans la terre d'Israël, Biazar, Patar, Zot Torah Taola, Yaola vegomer. Yazar dit, nous parlons ici de Torah Ta'ola. Ola, c'était un des sacrifices qu'il devait faire. C'est plutôt un korban. Ha kira bekinetet Israël ukmila. Dehi salka mitrabera be malka kadisha be zivugat shalim. De ce pasuk là, nous parlons de Knesset Israël, qui représente Midat Amalchut. Parce qu'elle, elle monte quand il y a le matin. Hein? Elle fait ce qu'on appelle le zivug, elle s'unit avec le masculin. Alors on sait que pendant la nuit, la Sefira Malchut, on appelle la Nukva, elle descend de Olam à Atzilut, Olam à Beria. Et le but de la prière que nous faisons le matin, à Shachrit, c'est de la ramener, de la faire monter. Il y a toutes les étapes par lesquelles on récite et qu'on fait des prières et que par elle, elle doit faire sa montée, pour finalement arrivée à la Hamida où elle rentre dans Olam Atzilut. Al Mogda al Mizbeach ki alayla vegomer tachaze kevan de alayla v'ta'in setimin dinin tata'in mita'in be'alma v'azid v'shatin chamei v'atane v'kalave. Il dit, sache, regarde, que dès que vient la nuit et que les portes d'en haut se ferment, il y a toutes les rigueurs qui se réveillent ici en bas. Ce sont donc tous les chitsonim, toutes les forces extérieures qui se réveillent. Et ils vont, se promènent à travers le monde. Et on les appelle Hamorim, Atonot ou Klavim, des ânes, des mules et des chiens. Et ce n'est bien sûr pas ces animaux-là, mais ce sont les noms de ces clipotes, de ces forces négatives. C'est comme ça qu'on les appelle. Et eux, tous se réveillent au début de la nuit. Hamari Akmoa. Nous avons parlé des ânes, et dans la Maseret Belachot, on dit qu'à partir de la Mishmura Rishona, il dit l'âne se réveille. Et c'est quoi il représente? C'est un vent ou un esprit qui vient et qui souffle à partir du début de la nuit. Et c'est un esprit, bien sûr, de force négative. Et son but, c'est quoi? C'est d'attaquer, de faire du mal. Et lui, donc, se promène. Et la mule, eux ne se promènent pas. Cet esprit-là de négatif à qui l'on donne ces noms-là. Eux, ils ne se promènent pas, ils ne bougent pas. Au contraire, ce sont des forces qui sont là. Et qui sont utilisés par ceux qui font de la magie noire. Hein? Ils utilisent ces forces-là pour faire toutes sortes de mauvaises choses. Et bien sûr, l'exemple, c'est Bilam. Et pendant la nuit, alors que tous les hommes sont en train de dormir, qu'il y a donc ce renforcement de ces forces négatives, c'est là qu'il y a dans le Mizbeach, l'autel ici, où il y avait donc la Ola, hein, qui représente toujours avec la Malkout. Et la Malkout, elle est en ce temps-là, pendant la nuit, elle est remplie de dinim, de rigueur. Flagout là, elle a été rare, ou arzafon, ou merou, misbeer, tata, nafik, shelova de esha, vedarin, patahu, vedinim, tata, imitkanesh, ou benukvaihu, shelova azil, veshatan, vedarin, degan, eden, it patahu. Ad de mate hahu shelhova bitogla le kama sitrin de alma, kaltechot gadfoy tarnegola ve kare. Et donc, au milieu de la nuit, ce qu'on appelle Chatzot alayla, il y a ce vent du nord qui vient et qui correspond à ce qu'on appelle les Chamisha Gevurot, les cinq sortes de rigueurs qui vient, et ces cinq rigueurs viennent de Bina pour aider la Sefira Malchut à se débarrasser de ces chitsonim. Et ce feu-là, parce que c'est un feu, c'est une flamme, hein, il monte en haut. Et là, les portes s'ouvrent, ce qu'on appelle Sha'are Rachamim, les portes de la Rachamim. Et tous les dinim qui sont ici se calment.
Et cette même flamme qui vient et qui sort du Gan Eden, qui sort, donc elle ouvre aussi les portes du Gan Eden Tarton, c'est-à-dire du Gan Eden qui est dans Olam Asiya. Et là, une fois qu'il atteint le Gan Eden, donc toutes ces dynimes qui sont autour de la Malchoute, toutes ces Gevurot-là, ils s'en vont, ils sont dispersés. Et il dit en même temps qu'elle rentre dans ce qu'on appelle les ailes du coq. Mais là, le coq, on parle du coq supérieur, enfin ce qui s'appelle le coq, qui est l'ange Gabriel. Et cet ange Gabriel, c'est lui qui vient, qui va réveiller tout le monde. Et disons similairement, ce qu'on appelle le Tarnégol ici, c'est-à-dire le coq, lui aussi à ce moment-là, il lâche son cri pour réveiller les hommes. Il dit que Shabbat Shtakar ben Tzadikia v'Knesset Israël, Shabbat Halel, que Shabbat Yehu, Adéaté Safra. Il y a ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il rentre avec Tzadikim dans le Gan Eden Tarton, et Knesset Israël, qui est donc la Malchoute, et commence à faire les louanges. Et donc ceux qui sont réveillés aussi à Khasodala, aussi c'est le temps de faire les louanges et de faire toutes les études. Que Vandéaté Safra, Shtakarum et Tayan, Beraza Khadavi, Itlena Khéa, Bebaala. Adaudirtiv, Al-Mogda, Al-Mizbea, Kolaela, Vegomer, Adaboker, Dead Bissafra Dinim, Michelhovin, Shtakahu, Gedeta, Abraham, Be'alma, Venachahu, De Kola. Donc, dès que vient le matin, et il y a ce qu'on veut, le secret de tout, le secret, c'est ce qu'on appelle la Isha, donc la femme, qui correspond à la Shekhina. Il est dit, mais ça perrette imbala. Alors on sait que c'est écrit dans la Guémara que c'est un moment où la femme a une conversation avec son mari. Mais là, c'est comparé bien sûr à la Sefira Malchut, qui va commencer sa montée pour arriver à Olam HaSilut et rencontrer le masculin. Que ce soit le matin, c'est par Soufira Kov. Donc toute la nuit, la Malchut est remplie de rigueur comme ça. Et quand vient le matin, qui est Ed Ratzon, hein? Alors donc, c'est là qu'elle commence à monter, que la Midat Avraham, c'est-à-dire donc la Sefira Chesed, elle se réveille et commence à amener du Rachamim dans le monde. Terazé, Kevan de Alou Israël, Ara, Leishtakiru, Bad, Dinim, Tataïn, Kset Israël, Havateba, Be, Benahéa, Kalfé, de Kérouvim, Kema, de Itmar, Dirtiv. Ça dit qu'Yalin, c'est Dek, Yalin, Ba. Il dit donc, quand Béné Israël sont arrivés en Eretz Israël, qu'ils sont rentrés, ils n'ont pas trouvé là-bas de Dinim. Il n'y avait pas de dinim. Et Knesset Israël, elle est venue avec la paix, avec le repos sur les ailes des Kérouvim. Et Moshe Lamadou, comme nous avons appris. C'est donc là, à ce moment-là, qui correspond au matin, que quand on vient et qu'on fait toutes les prières et qu'on arrive à faire monter finalement la Sefira Malchut, de Olam Averia où elle est descendue, à Olam à Atzilut où elle doit arriver. Et en vérité, c'est ça le but de la prière du matin, c'est rétablir cet équilibre-là entre le masculin et le féminin pour qu'il y ait ce qu'on appelle le zivoug pendant la sphère de charisme.